cette capsule, vous allez découvrir la structure de l'appareil génital du fœtus humain dans les premières semaines de la grossesse, ainsi que les mécanismes de sa transformation en appareil féminin ou masculin. Les organes reproducteurs internes et externes portés par un individu constituent son sexe phénotypique. Au début du développement embryonnaire se met en place un appareil urogénital indifférencié, dont la structure est commune aux deux sexes. Il comporte un sinus urogénital associé à l'appareil urinaire, constitué des reins et des urethères, et est associé à l'appareil génital indifférencié, constitué lui-même d'une paire de gonades indifférenciées et de deux paires de canaux, les canaux de Wolff et les canaux de Müller. Les organes externes sont eux aussi identiques pour les deux sexes. On distingue un tubercule génital, un orifice urogénital, encadré des bourrelets génitaux. Par la suite, une évolution différente conduit à un phénotype sexuel mâle ou femelle. Chez l'embryon de sexe masculin, vers la 7e semaine du développement embryonnaire, les gonades indifférenciées se différencient en testicules. S'ensuivent alors des transformations. Les canaux de Wolff persistent et se différencient en voie génitale mâle, spermiducte, vésicule séminale et prostate. Les canaux de Müller dégénèrent. Les organes génitaux externes masculins se différencient eux aussi. Le tubercule génital s'allonge en un pénis, les bourrelets fusionnent pour former les bourses, l'orifice urogénital migre à l'extrémité du pénis. Chez l'embryon de sexe féminin, vers la 8e semaine du développement embryonnaire, les gonades indifférenciées se transforment en ovaires. S'ensuivent alors des transformations. Les canaux de Wolff disparaissent, les canaux de Müller persistent et se différencient en voie génitale féminine, trompe, utérus et vagin. Les organes génitaux externes féminins se différencient pour former la vulve. Le tubercule régresse et deviendra la partie externe du clitoris. Les bourrelets se transforment en grandes et petites lèvres et l'orifice urogénital se scinde en un orifice urinaire et un orifice génital. Les voies génitales et urinaires sont donc complètement séparées chez la femme, contrairement à l'homme. À partir d'un certain nombre d'observations et d'expérimentations, les scientifiques ont élaboré un modèle expliquant la réalisation du phénotype sexuel lors du développement embryonnaire et fœtal. Dès la fécondation, la cellule œuf hérite d'une paire de chromosomes sexuels qui correspond au sexe génotypique de l'individu, XX ou XY. Ceci détermine le futur sexe phénotypique de l'individu. Lors du développement embryonnaire chez l'individu masculin, la présence du gène SRY, localisé sur une partie spécifique du chromosome sexuel Y, provoque la différenciation des gonades indifférenciées en testicules. Le gène SRY, de l'anglais Sex Determining Region of the Y Chromosome, qui s'exprime dans les cellules des gonades, est un gène architecte. Il code pour une protéine nommée TDF, de l'anglais Testis Determining Factor, qui déclenche l'expression de nombreux gènes. Chez l'individu féminin, le chromosome Y est absent. Il n'y a donc pas de gène SRY. En l'absence de gène SRY et donc de ce signal, la protéine TDF, de développement des gonades indifférenciées en testicules, les gonades indifférenciées deviennent des ovaires. Ensuite, l'appareil génital se développe. Chez le fœtus mâle, la production d'hormones par les testicules contrôle la masculinisation de l'appareil génital. La testostérone entraîne la transformation des canaux de Wolff en voie génitale mâle, spermiducte, vésicule séminale et prostate, ainsi que le développement des organes génitaux externes. Tandis que l'hormone antimullérienne
AMH, entraîne la disparition des canaux de Müller. Il y a acquisition d'un appareil génital de type masculin. Chez le fœtus féminin, l'absence d'hormones testiculaires est responsable de la persistance des canaux de Müller, qui deviennent les voies génitales femelles, trompe, utérus et partie supérieure du vagin, ainsi que de la disparition des canaux de Wolf. Il y a féminisation de l'appareil génital. Les organes génitaux externes se transforment en vulve et entrée du vagin. Il est à noter que le processus de différenciation de l'appareil génital féminin est encore mal connu et que ce modèle est simplifié. Les œstrogènes jouent certainement un rôle. Ainsi, l'acquisition des organes génitaux, donc du phénotype sexuel correspondant au sexe génétique de l'individu, a lieu très tôt durant la grossesse. Il se réalise sous le contrôle de gènes de masculinisation et d'hormones, AMH et testostérone, chez le fœtus masculin. La féminisation de l'appareil génital se réalise en absence de gènes de masculinisation et en absence de ces hormones masculines.